Voilà, ici nous sommes donc sur une machine qui est un projecteur de profil numérique. Donc l'intérêt de cette machine, c'est effectivement de pouvoir contrôler des pièces en automatique et de les reconnaître. Donc on positionne directement les pièces dans le champ de vision de la caméra. Ensuite, on va actionner donc une recherche de pièces. Donc, après l'avoir identifié quelle était la pièce qui avait été posée sur la table, automatiquement, donc il a détecté qu'il y avait eu deux pièces positionnées, il a identifié la pièce et appliqué le programme de mesure directement dessus. Tout ça en appuyant que sur un seul bouton. Si on change des pièces, je mets des rondelles, je les dispose directement sur la table. Je lance donc le programme. Ça, c'est le syndrome de la démo parce que ça marche pas. Je suis désolé, mais là, je sais pas. Donc, je dispose donc mes pièces directement sur la table. Donc, je lance l'exécution. Donc automatiquement, il va venir détecter les pièces que j'ai disposées sur la table et les mesurer. Donc là, je retrouve donc mes pièces qui ont été détectées, trois pièces, la mesure de mon diamètre interne, mon diamètre externe, qu'on peut directement retrouver dans une base de données où j'ai toute la traçabilité qui a été réalisée sur la pièce concernée. L'intérêt de ça, c'est on n'a pas besoin de s'occuper d'aller choisir le programme pour le type de pièce. La machine le fait en automatique, on a juste un bouton. Très rapidement, voilà, je repositionne, je lance, c'est détecté et c'est mesuré. Donc très intéressant pour du contrôle, pour des opérateurs basiques. Ils ont juste un bouton à appuyer et la machine fait tout.